y avait le travail au noir, bah c'est la même chose, sauf que ça porte le nom d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on légalise le travail au noir. L'auto-entreprise, une vraie réussite, selon le gouvernement. Grâce à ce nouveau statut, chacun peut créer son entreprise en un clic sur Internet et bénéficier de charges sociales et fiscales très avantageuses. Oui, mais voilà, les entreprises traditionnelles, elles, se retrouvent confrontées à une concurrence qu'elles jugent déloyale. En première ligne, le bâtiment qui souffre déjà d'une baisse d'activité et de prix tirés vers le bas. Car voilà maintenant que les chefs d'entreprise peuvent craindre qu'un de leurs salariés propose le plus légalement du monde la même qualité, mais pour moins cher. Une entreprise qui construit par exemple un pavillon, eh ben, l'auto-entrepreneur pourrait aller voir le client en disant « Votre mur, ne le faites pas faire par l'entreprise, moi je viendrai samedi dimanche, c'est légal, j'ai le droit, je peux le faire. » Donc c'est du chiffre d'affaires en moins, c'est des travaux en moins, donc c'est des difficultés en plus pour l'entreprise. Et créé par les propres salariés de l'entreprise, donc un gros danger. Résultat, ce statut d'auto-entrepreneur, qui devrait régler une partie du travail illégal, pourrait aussi en créer. Car pour résister à la concurrence, certaines entreprises pourraient bien être tentées de proposer de travailler au noir pour pouvoir s'aligner sur les prix des auto-entrepreneurs. D'autres pourraient également inciter leurs salariés à se mettre sous ce statut pour faire baisser les charges pesant sur l'entreprise tout en partageant cette nouvelle manne. Bref, le bâtiment est loin de partager l'enthousiasme du gouvernement sur ce dispositif en vigueur depuis un an. D'autant qu'au-delà de leurs propres salariés, il y a tous les autres, habiles de leurs mains et qui peuvent proposer leurs services sans aucune qualification et sans aucun gage de qualité. De quoi fragiliser un peu plus le secteur. Un maçon, il est maçon, il va savoir faire de la brique, il va savoir faire de la pierre, il va savoir faire du béton, mais on reste dans la maçonnerie. La plomberie, c'est une spécialité, savoir souder du cuivre, savoir souder des PVC, c'est une spécialité, on ne peut pas le faire n'importe comment. Après, c'est effectivement, entre guillemets, du bricolage. Une qualité qui peut laisser à désirer et une responsabilité mal définie. La Fédération française du bâtiment pointe en effet du doigt l'absence d'assurance qui peut pénaliser le client en cas de problème. Nous, on est obligé d'avoir des assurances, décennales, biennales, etc. pour garantir au client un travail bien fait et que si le travail a des petits problèmes, on puisse réparer sans inquiéter le client. C'est garanti, ils l'ont pas en plus. Bref, pour la Fédération du bâtiment, c'est très clair. L'auto-entrepreneur pour les services à la personne, un secteur en pleine expansion, très bien. Mais pour le reste, chacun son métier. Ce n'est surtout pas le moment de fragiliser les PME du secteur.